Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis professeur de violon au CMRI du Quesnoy et je vais vous parler de mon instrument. Le violon fait partie de la famille des cordes frottées, ainsi nommée parce que l'on en joue en frottant les cordes à l'aide d'un archet. L'archet était à l'origine une sorte de petit arc sur lequel étaient tendus des crins de cheval. Aujourd'hui, il a perdu cette forme d'arc, mais est toujours constitué d'une baguette en bois et de crins de cheval. On peut aussi jouer du violon comme on joue d'une guitare avec les doigts. On appelle cela des pizzicati. Le violon est en bois et a quatre cordes qui sont, en partant de la corde la plus aiguë, mi, la, ré, sol. Il a un grand frère dont la voix est plus grave qui s'appelle l'alto et dont les cordes sont la, ré, sol, do. Comme vous avez pu le constater, on ne joue pas que quatre notes sur un violon puisqu'il y a quatre cordes. Les autres notes sont faites en appuyant sur la touche avec les doigts, et donc en raccourcissant la corde pour faire le son désiré. Le violon est un instrument très répandu de par le monde. On le trouve dans les orchestres classiques et en soliste, dans les petites formations appelées musiques de chambre, et aussi dans la musique traditionnelle de tous les pays. Aujourd'hui, on trouve même des violons électriques adaptés à la musique actuelle. Magique, le violon, non? À bientôt!